Coucou les amis, coucou les enfants, coucou le forum de Saint-Louis. Bon voilà, j'aurais bien aimé venir vous voir, mais malheureusement, vous savez pourquoi. Je ne peux pas me déplacer, et ni moi ni les autres. Donc, en attendant, je vous fais cette petite vidéo. Peut-être qu'on se verra l'année prochaine, j'espère, ou plus tard, je ne sais pas. Bon, je suis Pierre Ibizinski, vous m'avez peut-être reconnu, je ne sais pas. Et je suis l'auteur de Pop. Oui, Pop, là. De Pop. Pop et les grands méchants loups. L'alphabet. Un automne, Docteur Pop, l'imagier de Pop, le jardin de Pop, le Noël de Pop, Pop à l'école, il est là, le voilà, Pop et les méchants, Pop artiste, Pop et la baguette magique, Pop mange de toutes les couleurs, bien connu celui-là, et Pop joue au foot, voilà, jusqu'à présent, et le prochain il va sortir, c'est Pop à la ferme, voilà. J'ai fait bien d'autres aussi, il y a Bill qui aime les voyages en anglais pour apprendre l'anglais. Il y a aussi le papa qui découpe, ce que je vais vous montrer maintenant, là, comment papa il va découper. Un petit cochon dans un salon et bien d'autres livres. Bon, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, regardez, je prends une feuille blanche, là. C'est ma feuille de dessin. Mais je ne vais pas utiliser de crayon. Je ne vais pas utiliser de pinceau. Je vais utiliser, pas non plus, tiens, je vais utiliser ceci pour dessiner. Eh oui, je dessine avec des ciseaux. Eh oui, comment je dessine avec des ciseaux? Bah, je découpe dans du papier. Donc, on va démarrer ce personnage. Qu'est-ce que j'ai là? Tiens, tiens, tiens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? On va faire ça. Voilà. Alors, on y va. Un ovale, que ça pourrait bien être, ça pourrait être le devant la tête, les oreilles, je sais pas, on dépose ça. Voilà, ensuite, je vais faire ça, voilà, qu'est-ce que ça pourrait bien être, qu'est-ce que je pourrais bien découper là, je tourne avec mes ciseaux, voilà, oh, un pied, voilà, ensuite, un autre pied pour mieux marcher, bien sûr, hein, il en faut deux. Il vaut mieux ensuite, avec la même couleur. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait quelque chose, on dirait une... Non, parce que j'ai le visage. Ok, on fait ça comme ça, là. Ensuite, faire l'autre côté. Là. Voilà. Là. Le petit doigt, deux pieds, deux mains. Voilà, parfait. Hop, il est là. Que lui manque-t-il le... Oh ben oui, bien sûr. Évidemment. La tête. Je vais faire la tête toute ronde. Où là, j'ai... Voilà. Là, il y a un bonhomme. Je pense que vous le voyez là, il y a un bonhomme. Là. Un bonhomme. Mais pour le moment, le bonhomme. Rien de spécial, le bonhomme. Hein. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi. C'est un bonhomme classique. Mais je vais rajouter quelque chose qui va le changer. Tout de suite découvrir ce que c'est, vous allez voir. Voilà, je vais faire ça comme ça. Là. Un. Deux. Hop. Là. Un lapin. Ben oui, mon petit lapin, comme t'es mignon. Et si je change ses oreilles de lapin, je les mets là. Et je fais ça. Comme ça, deux triangles, par exemple, que je coupe. Voilà. Là, et je remplace donc les deux oreilles de lapin par deux triangles. Et on a un chat. Voilà. Bon, il faut décider ce qu'on fait comme personnage. Voilà, je vais changer les oreilles. C'est pour vous montrer qu'en changeant les oreilles, vous changez la nature du personnage. C'est plus le même. Alors, je vais mettre le lapin. On aime bien les lapins. Comme lui, hein, il est mignon. Hein. C'est Bill.
Alors, qu'est-ce qui manque à ce lapin? Il manque des yeux, bien sûr. Alors, on va prendre du blanc. Hein. Voilà un bout de blanc. C'est pas ça, tout ça, blanc. On va prendre le blanc là. Voilà. Du noir pour faire les pupilles, et ça c'est très important parce que dès qu'on fait les pupilles, le personnage il prend vie. Voilà, voilà, voilà. Hop, coucou, c'est moi, Martin le lapin. Voilà, hop, et voilà. Alors, à part les yeux, il faudrait quand même lui rajouter comme une bouche. Une bouche, tiens, comme ça. Un champ de couleurs, évidemment. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Le museau. Un peu grand? Non, on va faire bien grand, hein. C'est bien comme ça. Et une truffe noire. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et pour le sourire, bien sûr. Une bouche. Voilà. Et voilà, on a un lapin. On a un lapin. Alors. Qui est en train de danser. Il a perdu quoi, sa carotte là? C'est bizarre. Une expression différente. On va jouer un petit peu sur les expressions. Alors, je vais découper des sourcils. Découper des sourcils. Voilà, comme ça on peut jouer un petit peu sur les expressions des yeux et du visage. Voilà, encore un deuxième sourcil. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce qui lui manque à un lapin pour manger sa carotte? On pourrait lui rajouter quelque chose dans la bouche. Voilà, une dent, bien sûr. Deux dents, deux dents. Dedans, voilà, une dent là, et une dent là, voilà, voilà, voilà mon lapin, ok, un peu grande des dents, mais bon, après on peut tout retravailler, tout redécouper, et on peut jouer, justement, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut jouer sur des expressions différentes et avoir une action. Par exemple, là, il est en train de courir, vous voyez. Là, il regarde, effectivement, devant lui. Il vaut mieux, hein, pour courir. Il est content. Voilà. Il peut avoir l'air un petit peu... Comment dire? Petit peu... coquin, je dirais, comme ça. Voilà, il peut faire ça aussi, hein, courir, hop là, ouais, bien sûr, il court, il attrape quelque chose, il peut tourner la tête, regardez, ça, tout ça, ça peut bouger, hein, bien sûr, il peut avoir l'air, là on va enlever les dents provisoirement, on va les mettre là, l'air pas du tout content, hein. Comme ça par exemple, qu'est-ce qui m'arrive là, je suis pas content, ça me plaît pas du tout ce qui m'arrive là, on va essayer de régler le problème, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ou bien, carrément, on peut jouer sur ça. Je suis pas content du tout. Voilà. Bon, on va pas le laisser comme ça. Autant rigoler, hein. C'est mieux comme ça, voilà. Donc, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut aussi... Donc, je rajoute les petites dents. C'était mignon. Un peu grandes. Je trouve qu'elles sont un peu grandes. Donc, tout ça, c'est un travail, effectivement, de précision après, pour que ce soit le mieux possible. Il vaut mieux après recouper certaines dents qui peuvent être paraître trop grandes. On ajuste tout ça, c'est tous les détails qui font l'affaire, hein. Absolument. Donc voilà les petites dents. Après, évidemment, il faut coller tout ça, parce que si on colle pas tout ça, atchoum, bonjour les dégâts. Voilà.
le lapin disparaît, il réapparaît. Voilà, bon, vous voyez, c'est pas toujours évident à mettre en place avant de coller. Hein. Mais on voit un peu ce que ça donne. Bon, voilà, on ne les voit pas très bien les dents, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on fait ça, et puis aussi, on peut loucher, hein, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, on peut faire l'idiot. Hein. Voilà, je suis idiot. Je fais l'idiot, je fais le lapin crétin, comme on dit, là, voilà. Par exemple, voilà. Bon, voilà, tout ce qu'on peut faire. Je voulais vous montrer ça. Entre autres, après, on peut aussi effectivement l'habiller, lui mettre une culotte. Je sais que les enfants rigolent beaucoup quand je leur fais une petite culotte. Donc, on va leur faire une petite culotte, je sais pas, moi, qu'est-ce qui me vient comme couleur, là. Oh, bah, du jaune, pourquoi pas du jaune, là. Il vient le jaune, on va mettre un peu de jaune. Voilà, on va lui mettre un petit slip de bain, parce que c'est bientôt l'été et c'est bientôt le temps d'aller se baigner. Tout va bien. Voilà. Hop, et voilà une petite culotte. Et voilà, je vais me baigner. On va bien rigoler. Hop, on va revoir les copains. Coucou, c'est moi Martin le lapin. Donc voilà, je voulais vous montrer. J'espère que ça fonctionne. Sinon, je recommence. Voilà, coucou, coucou, Bibi. Alors voilà, mon petit Martin le lapin. Mais on peut aussi, effectivement, faire toutes sortes de personnages avec des ciseaux ou du papier. Voilà, et aussi on peut vous faire ça aussi, avant de vous quitter. Faire quelque chose comme ça. Voilà, pour vous, tous mes amis, à bientôt. Portez-vous bien surtout, hein.